bir piramitte kesişme noktasına, dünyanın 8. harikası Nemrut harabelerine bir gezi düzenleyeceğiz. UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alan Nemrut Dağı'nda anıt mezara, kitabelere, büyüleyici heykellere ve dünyanın en muhteşem gün batımına tanıklık edeceğiz. Değerli konuklar, bu gezide hava sıcaklığının 1 veya 2 dereceye kadar düşebileceği, bol miktarda rüzgar alacağımız bu gezi için korunaklı giysiler tercih etmenizi sizlerden rica ediyorum. Teşekkürler, kolay gelsin. Herkese günaydın. Öncelikle Türkiye'ye, Malatya'ya hoş geldiniz. Bir Malatyalı olarak sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Öncelikle onu belirtmek isterim. Özelde de bu oturuma hoş geldiniz. Oturumumuzun başlığı günlüklerde yenilikçi veri analitik yöntemleri. Yazın İngiltere'den data analizleri çalışan bir arkadaşımla oturup sohbet etme imkanım olmuştu. Şu söylemde bulunmuştu. Son 20 yılda toplanan veri miktarı dünya var oldu olalı son 20 yıla kadar toplanan veri miktarına eşit olduğunu dile getirmişti. Yani binlerce yıllık toplanan veri miktarı son 20 yılda toplanan veri miktarına eşit gibi bir sonuç çıkıyor buradan. Evet, o zaman elimizde çok fazla veri var son 20 yılda ve teknoloji bize daha da hızlı ve çok miktarda veri toplama olanağı sunuyor. Bu veriler inovatif yeni ürünlerin, yenilikçilerin geliştirilmesine katkı sunacağı gibi ticaretin kolaylaştırılmasında da gene inovatif data analizlerinin kullanılmasında fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sunumlarında bu doğrultuda gerçekleştiğini tahmin ediyorum. İlk sunumumuz Pakistan'dan Skype üzerinden gerçekleştirilecek. İlk sözü dolayısıyla Doktor Salamat Ali'ye Skype üzerinden bırakmak istiyorum. Mr. Salamat, floor is yours. Okay, thank you. Good morning. Hope you are doing the event. So in international business, we know time. Most of the indicators of ease of doing business measure cost of business in terms of time. In this context, I am going to present this work titled Trading on Time. This study analyzes time cost from port of entry to inland container depots in Pakistan. This is very much work in progress. You can go on, Mr. Salman.
Evet, teknoloji bir takım kolaylıkları beraberinde getirirken bir takım zorlukları da beraberinde getiriyor. Maalesef iletişim sağlanamadı Skype üzerinden teknik bir arızadan dolayı. Bunun için öncelikle özür diliyoruz. Banu Demir Hanım'a sözü vermek istiyorum. Kendileri uluslararası ticarette vergi sahteciliğini tespit etmek için Berfond Kanunu'ndan yararlanılması başlıklı sunumlarını sunmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Okay, good morning everyone. First of all, let me thank the organizers for inviting me. It's a great organization and shame on me, this is my first time in Malatya, but I'm just staying today, so I should come back. Okay, so I'm an academic, I'm not used to using microphones and I prefer moving. But okay, I was told that I have to stand here so that you can hear me. Fine. So my talk is going to be based on a recent paper I wrote with Beata Jovorcik from University of Oxford. The paper, as our moderator has already told you, is about tax evasion at borders and how we can use Bamford's law to detect tax fraud in international trade. Okay, so for this audience, I don't need to motivate the topic. We have already seen amazing presentations on the topic anyway, but here's a couple of pictures. So we know that tax evasion and smuggling are pervasive. So this is a recent news piece from FT from April 2018. So it says that Chinese customs authorities have detained 17 people who had illegally imported almost $100 million worth salmon from Norway. It's not difficult if you just go online and search for it. It's not very difficult to find different stories from all over the world about smuggling and tax evasion in international trade. Here comes another one, this one from Pakistan. So Pakistani customs authorities have uncovered a scam that involved more than 100 containers full of clothing items that were cleared at less than half of the standard duty, and the cost of evasion was around almost $200 million. Okay, so tax evasion at customs is pervasive, and we care about it because we know that tax evasion is associated with efficiency losses and leads to fiscal losses, right? This is particularly relevant for customs or taxes paid at customs because according to World Customs Organization's statistics, taxes collected at customs account for about 30% of total tax revenues across all countries. But still, as it is true for any legal activity, tax evasion at customs is difficult to observe. And here comes our paper, or partially our paper. So in this paper, we propose two new methods to detect tax evasion in international trade. I'm just going to focus on one of them here. But if you're interested, at the end of the presentation, I will give you a link that you can download the full paper. So this method, as I said before, uses Bamford's law. I'm going to talk about it in a couple of minutes. But we are able to show evidence consistent with an increase in tax evasion after an unexpected increase in customs taxes in Turkey. And we are able to confirm our results using the most standard method of detecting tax evasion in international trade, which uses discrepancies, which uses mirror statistics. In other words, it is based on discrepancies in trade statistics between the two trading partners. Okay, Bamford's law. So first of all, what is Bamford's law? Bamford's law is about distribution of first digits in economic or accounting data. It naturally arises when data is generated by an exponential process or different independent processes are pooled together.
We are not the first ones to use Bamford's law to detect anomalies in data. So far, deviations from Bamford's law have been used to detect reporting irregularities in macroeconomic data, survey data, as well as in voting outcomes. So why does it work? So let's take the most obvious example where the process grows, there's some process that grows exponentially. Think of a line of 1 unit in length and assume that it grows exponentially. Now, in order for the first leading digit to change from 1 to 2, the length of the line has to double in size. But then once it reaches 2, it only has to grow by 50% in order for the first digit to change from 2 to 3. So you get the idea. In such data processes, we are more likely to see 1 as the first leading digit than the second one, and 2 than 3, and 3 than 4, and so on. So this generalizes the idea, and here is what Bamford's distribution looks like. So around 30% of the time, we observe 1 as the first leading digit, and then it decreases monotonically, and when it comes to 9 as the first leading digit, we only observe it around 5% of the time. Now, why do we expect Bamford's law to hold in our data? First of all, we know that it holds in naturally in many of the statistics or data you can think of. For instance, think about population of the world. It obeys Bamford's law. Or for instance, length of rivers or mountains. So those natural, in nature, we see this Bamford's law holding amazingly. What about in international trade data? So first we provide some simulation exercise. So we first simulate data based on a standard international trade model, and we check whether the trade values generated from this model obey the Bamford's law. And the answer is yes. So but before I show you some pictures, I have to talk about how we measure deviations from Bamford's law. So here is the main statistic we used to measure deviations from this law. So first, pull all the data, like all the trade values. It can be from a particular country, it can be a total, it can be at the transaction level, firm level, product level, anything you can think of. And then calculate the frequency of each digit from 1 to 9 in the trade values. So that's going to be your FD, the observed fraction of digit D in the data. And then subtract from it the predicted frequency of the digit as predicted by Bamford's law. Take the square, square it, and then take the sum of it over all digits from 1 to 9. So that's going to be your main measure, the main statistic to measure deviations from Bamford's law. Here is the picture. So here we have 4 different scenarios. So in the first one, upper left corner, there is no evasion. And trade values generated by a standard trade model, we assume 3% tariff or 6% tariff. So as you can see, we don't see any movement, any change in the distribution. But here on the upper right corner, we have evasion versus no evasion cases when the tariff rate is equal to 3%. So as expected, or as we expected, the distribution shifts to the right slightly, right? Which implies that on average, we observe a higher deviation or larger deviation from Bamford's law as measured by our statistic D in the case of evasion versus no evasion. And the change or the difference becomes even more visible on the lower left corner when we compare evasion versus no evasion cases when the tax rate is 6%. So when tax rate is higher, we observe even a larger difference, a larger gap between the two distributions. And this
The final picture on the lower right corner confirms it. So when there is evasion, regardless, and tax rate increases from 3% to 6%, we still see a shift of the distribution to the right, which is consistent with larger deviations from Bamford's law. So before going any further, I have to note that Bamford's law doesn't say whether there is evasion or not, but it puts a flag. Right? And it is our job then to do a further investigation to see whether there is something fishy there or not. Otherwise, this statistical method itself doesn't say whether there's evasion or not, but it just raises a flag so that we can investigate the issue further. Next, we apply our method to Turkish data. And to be able to apply that, we need to exploit a policy change, right? So the tax, there should be some tax that increases from some percent to some percent to higher, so that we can see whether there's an increase in deviations from Bamford's law. And this policy change we exploit is the change in resource utilization support fund, or KKDFE in Turkish, RUSF, in October 2011. So what is RUSF? So it's a tax, it's not tariff. It's a different type of tax collected at customs. It's been collected since 1988 when foreign credit or external financing is utilized to finance the cost of imported goods. Okay? So it's not a tariff because it doesn't apply to any flow. It applies only if the importer uses some sort of external financing to be able to pay the cost of imports. So only certain types of payment methods are subject to this tax. And it only applies to ordinary imports. It doesn't apply for processing imports, which provides us a very nice placebo exercise. Okay, then on October 13, 2011, this tax rate was unexpectedly increased from 3% to 6% of transaction value. It's a big change. Now, does the importer have to pay this tax? No. If the importer says, okay, I'm going to pay in advance, which implies cash in advance financing, then this tax doesn't apply. Or if the importer says, I'm going to use standard letter of credit or documentary collection, still this tax doesn't apply. It only applies when the importer says, I'm going to use a particular payment method which gives me a grace period to pay for the cost of the imports. Okay? So any payment method that grants a deferred that allows the importer to defer payment to a later date is subject to this tax. And what are those payment methods? It's open account, in which case the importer relies on the seller to finance the cost of transaction, or acceptance credit or deferred letter of credit. Okay, so the idea is we should see larger deviations from Bamford's law for flows that were more exposed to this particular policy change before October 2011. But how are we going to measure this exposure? We measure it by the share of flows in that particular product country pair, right? That were imported on these three payment methods: open account, deferred letter of credit, and acceptance credit. Okay, so it's basically the share of imports that come with external financing before the shock. So as expected, the policy had an effect, right? So comparing the average share of imports on those three payment methods, we see that it decreased from almost 20% to below 14% after October 2011. And then what we do is that we use those shares, okay, as an exposure variable, and then we check whether those flows that were more exposed to this shock displayed a larger deviation from Bamford's law after October 2011. So that's the idea. And here is what the picture looks like. So obviously, so first look at the dashed line. So the dashed line shows that those flows that were already using those three financing methods or exposed to this
to this tax were showing larger deviations from Bamford's law even before the policy change. Okay, but then after the policy change, after October 2011, we observed an upward shift in deviations. So potential evasion increased after the shock. But as you can see, the gap between dashed line and the solid line is becoming larger for flows that were using those three payment methods more extensively. In other words, if this flags evasion, we observe greater evasion for those flows that were more exposed to the shock before, more exposed to the tax before the shock. We confirmed that simple result with some more sophisticated econometric analysis, and we find that there's positive and statistically significant relationship between flows exposure to roof tax before the shock and deviations from Bamford's law after October 2011. I don't have time, so I'll not be able to go into details, but how can we put those numbers into some context? So when calculated at the mean value of deviations, increase in the share of imports that use those three financing methods from 0 to 1 is associated with a 17% increase in deviations from Bamford's law after the shock. Now, what does it mean? Let's do a thought experiment. Now, consider a random sample with characteristics very similar to an average flow we observe in Turkish imports before the shock, such that the mean deviation from Bamford's law is around 1.7%, okay? And then let's keep adding faked observations. When I say faked observations, those observations are some trade flows, but the first digits just follow uniform distribution, or each digit is equally likely to occur. Now the question is, what is the fraction of faked observations required to generate the estimated increase in our test statistic due to an increase in exposure from 0 to 1? The answer is 40%. So this doesn't say anything about the value of evasion or the cost of evasion, but this says that in order, if our econometric results make sense, then we see that 40% of all import flows had some sort of evasion or manipulation after the tax. Okay, we have some placebo results. I'm not going to go into details. I'll just conclude. So what we're trying to say in this paper is the following. We say that Bamford's law can be used by authorities to decide where to channel resources to fight evasion. And a positive relationship between, for instance, tariff rates applied differently to each product and deviations from Bamford's law may signal some sort of evasion which requires further investigation. Compared to other methods that are used extensively in international trade, the data requirement is low because in this case you don't need to have mirror statistics, so you don't have to compare exports and imports announced or reported by the two different trade partners. And you can slice the data as you like to be able to apply this test. So it can be applied to import flows, for instance, that use a particular transportation mode, crossing a certain checkpoint, or even being cleared by a particular customs officer. Now, okay, so I've already concluded, but if you're interested in reading the full paper, you can simply Google Banu Demir Bilkent. You will be able to download the full paper. There's also a non-technical summary of the paper published as a Vox EU column. Thank you very much. Sorularımızı hemen sunumların arkasından almak istiyoruz. Siz tekrar alalım. Bir 10 dakikalık zamanımız var. Soru sormak isteyen varsa Banu Hanım'ı alabiliriz. Herhalde herhangi bir sorumuz
Peki Banu Hanım, buyurun. Evet. İkinci konuşmacımız Bessem Çermit'i kendisi Tunus'tan teşrif etmişler. Karar ağacı yöntemlerinin skor beyanlarında kullanımı başlıklı bildirilerini sunacaklar. Teşekkür ederim. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant de commencer, je suis heureux d'être parmi vous. Je tiens tout d'abord à remercier les collègues turcs pour leur accueil chaleureux. Je tiens à remercier la douane coréenne, l'Organisation mondiale des douanes, puisqu'elle m'a donné l'opportunité de présenter mon travail. Et je remercie spécialement M. Thomas Quentin pour son soutien. Avant de commencer, je me présente. Bassem Chermit est responsable de service de sélectivité à la Direction générale des douanes tunisiennes. Le travail que je présente aujourd'hui s'intitule « Établissement des profils de risque et ciblage par la méthode de data mining, utilisation des arbres de décision sur les données de la douane malgache qui sont reçues dans le cadre d'un colloque organisé par l'Organisation mondiale des douanes pour mettre en valeur l'utilité d'échanges de données dans le domaine et l'analyse de données dans le domaine douanier. Bon, notre présentation est divisée en deux parties. Dans la première partie, on va présenter l'importance du data mining, l'apprentissage automatique, les arbres de décision et essentiellement la méthode SHAPE. La deuxième partie, on va appliquer la méthode SHAPE sur des données douanières. On va présenter la méthodologie de recherche et interpréter les résultats. Comme vous savez, les administrations douanières disposent des systèmes d'information et donc d'un volume important de données. Mais le problème que ces administrations, beaucoup des administrations n'exploitent pas les informations cachées dans ces bases de données. Donc beaucoup de bases de données avec un peu de connaissances. Bon, la solution, c'est le recours au data mining pour l'extraction de connaissances intéressantes à partir de données et qui sert aussi comme un outil d'aide à la décision. Plusieurs domaines d'intervention du data mining ou d'application de data mining, tels que la performance financière, la détection de la fraude, la médecine, la prédiction de la faillite et aussi la douane. Le data mining est une combinaison de techniques informatiques et statistiques pour effectuer une analyse exploratoire des données permettant l'extraction d'informations prédictives cachées à partir des bases de données volumineuses pour aider les décideurs à se concentrer sur les informations les plus importantes dans leur entrepôt de données. Ce pyramide présente le flux d'informations et les différents acteurs. Comme vous voyez, dans la base se trouve tout ce qui est source de données, c'est-à-dire tout ce qui est base de données et les entrepôts de données. Les responsables ou les acteurs sont les administrateurs de base de données. Puis on trouve l'exploration des données, tout ce qui est statistique et requête. Le data mining, les acteurs sont les analystes. Les utilisateurs présentent les connaissances avec des techniques de visualisation et la décision, elle est prise par les décideurs. Fayad, en 1996, a présenté le processus d'extraction de connaissances à partir des données. La première étape consiste à sélectionner des données. Donc, il s'agit de développer et de comprendre les domaines d'application. On obtient donc des données cibles. La deuxième étape, c'est le pré-traitement des données. Il s'agit de traiter les données bruyantes et les données manquantes pour avoir des données nettoyées. La troisième étape, c'est la transformation des données. Il s'agit de réduire, par exemple, il s'agit de la réduction de la dimension ou bien d'autres techniques de transformation.
pour avoir des données transformées. Le data mine constitue le cœur de ce processus à travers le choix des méthodes exploratoires et à travers le choix des modèles à appliquer. Et enfin, on trouve l'interprétation et l'évaluation pour tirer des connaissances précieuses. Bon, le data mining diffère d'autres techniques, diffère des techniques statistiques conventionnelles par son capacité en intelligence artificielle et par son capacité d'utiliser plusieurs techniques telles que les statistiques, les technologies de base de données, la visualisation, théorie de l'information et l'apprentissage. Dans notre présentation, on va s'intéresser à tout ce qui est apprentissage. Bon, il existe deux types d'apprentissage, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé implique la création d'un modèle pour prédire ou estimer un résultat en fonction d'un ou de plusieurs intrants. L'apprentissage non supervisé, il s'agit d'un ensemble de données qui est analysé sans variable dépendante et à estimer ou à prédire. En effet, il existe plusieurs techniques d'apprentissage, telles que les réseaux de neurones, la méthode de plus proche voisin, les arbres de décision, les algorithmes génétiques. Dans notre présentation, on va s'intéresser aux arbres de décision. Les arbres de décision, c'est une méthode d'apprentissage supervisée, non paramétrique et non linéaire encore, utilisée pour la classification et pour développer des algorithmes de prédiction. En effet, il existe plusieurs algorithmes des arbres de décision, tels que Shade, CRT et Quest. On va s'intéresser à l'algorithme Shade pour deux raisons. Pour sa capacité de traiter un volume important de données et puisqu'il permet l'utilisation d'une formulation bien connue en statistique, il s'agit du test de Q2. Alors, Shade signifie Key Squared Automatic Interaction Detector. C'est une méthode qui s'appuie sur le test de Q2 comme écart à l'indépendance pour choisir le meilleur attribut de segmentation et pour fusionner les catégories ou les variables afin de construire des arbres de décision. Donc, il s'agit de trouver un groupe d'individus les plus homogènes possible de points de vue variables à prédire ou variables cibles. L'algorithme Shade se déroule en trois étapes. La première étape, c'est la sélection des variables indépendantes pertinentes. La deuxième étape, c'est la fusion des catégories de chaque variable indépendante. Et enfin, l'arrêt de l'algorithme. Quand vous voyez, un arbre de décision se compose par un nœud racine, là où il se trouve la variable à expliquer, des nœuds parents qui se situe au-dessous du nœud racine. Ce sont les variables les plus dépendantes à la variable à expliquer, qui peuvent être aussi divisées en variables en nœuds enfants. Et il existe des nœuds terminaux qu'on peut les traduire en règles. On va voir ceci ultérieurement. Bon, plusieurs avantages offerts par la méthode Shade. Elle permet de traiter un grand nombre de variables, permet de traiter d'importants volumes de données hétérogènes, le temps de calcul est faible, et ne nécessite pas beaucoup d'hypothèses, elle est robuste face aux données aberrantes, et elle constitue une solution pour les données manquantes. Elle permet la sélection automatique des variables pertinentes. Les résultats sont compréhensibles et facilement interprétables. Les chemins résumant des décisions transcrites sous forme des règles très simples, si, alors. En plus, la facilité de traduction des modèles décisionnels
en langage SQL et donc facilement à intégrer dans les systèmes informatiques. Bon, notre contribution consiste à appliquer la méthode SHADE dans le contexte de gestion des risques sur les données de la douane malgache. Bon, notre recherche consiste à appliquer l'algorithme SHADE afin de déterminer un modèle prédictif permettant de prévoir le risque recette lié à une opération d'importation, de détecter les facteurs de risque et d'élaborer des profils de risque. Notre étude porte sur les données de l'année 2016. On a reçu 4 tables de la douane malgache, une table en tête de la déclaration, une table ligne des déclarations, c'est-à-dire les déclarations sont divisées ligne par ligne, les circuits de contrôle des déclarations, s'il s'agit des déclarations qui font l'objet d'un contrôle physique ou bien un contrôle documentaire, ou bien des déclarations qui ne sont pas contrôlées. Et les droits compromis, c'est-à-dire les redressements effectués par la douane malgache. Bon, c'est une présentation de flux d'extraction et préparation des données. On a reçu toutes les données de la douane malgache, toutes les données des déclarations, soit déclarations d'import et les déclarations d'export. On va s'intéresser seulement aux déclarations d'import, puisqu'on va traiter le risque lié aux recettes douanières. Comme vous savez, les déclarations douanières en appliquant la gestion des risques sont orientées vers 3 circuits de contrôle, soit le couloir rouge, il s'agit d'une inspection physique, soit le couloir jaune, c'est une inspection sur document, ou bien le couloir bleu, sans contrôle. Donc, on va se concentrer sur l'échantillon de couloir rouge, là où il y a un retour d'information. Donc, on cherche à expliquer la variable conformité de déclaration en ligne par ligne, 0 si les lignes de déclaration sont conformes, 1 si les lignes de déclaration sont non conformes. Il s'agit à expliquer une variable binaire. Bon, on a émis plusieurs variables explicatives permettant d'expliquer la non-conformité de la déclaration, telles que le bureau, le code déclarant, le système harmonisé A2, A4, A6, A8, etc., l'origine, le valeur par kilo par déclaration, etc. On a émis plusieurs hypothèses vu l'insuffisance de l'information et la qualité d'information reçue de la douane malgache. Première hypothèse, une déclaration douanière détectée non conforme à son contenu, toute déclaration faisant l'objet d'une perception des montants supplémentaires par la douane. Si une ligne de déclaration détectée non conforme, alors toutes les lignes de la dite déclaration sont non conformes, et les montants supplémentaires associés à cette déclaration comptent autant de fois que les lignes de la déclaration. Une ligne de la déclaration est traitée comme une déclaration, et comme on a précisé l'échantillon d'étude, l'étude porte sur l'ensemble des déclarations d'importation orientées vers le circuit rouge. Les logiciels de data mining permettent d'insérer quelques règles permettant de réduire la taille de l'arbre de décision. Pour cela, on a fixé un nombre minimal d'observations par nœud par an de 2000 observations, un nombre minimal de nœuds enfants 2000 observations. On a divisé notre échantillon sur 2, un échantillon d'apprentissage et un échantillon test ou de validation, pour étudier la fiabilité des règles. Bon, le test choisi, c'est le test de Qi2 de Persin pour un niveau de significativité de 5% pour la division et pour la fusion des catégories. Bon, en exécutant l'algorithme, on obtient cet arbre de décision ou une partie d'arbre de décision puisqu'elle est plus large que ça. Bon, on fait une lecture des résultats obtenus. Bon, on a obtenu un nombre de nœuds total de 92, dont 62 nœuds terminaux et une profondeur d'arbre de 5,
c'est-à-dire une règle permet d'utiliser au maximum 5 variables parmi les variables indépendantes incluses dans le modèle final. Bon, la variable la plus discriminante, c'est la variable bureau, qui maximise la statistique de qui 2 avec 7 degrés de liberté et avec un p-value égal à 0. Bon, quelques outputs de notre modèle. Ce tableau affiche les valeurs de gains qui fournissent des informations sur la variable cible. Quand vous voyez, le numéro 91 compte 1273 lignes de déclaration, dont 1192 appartiennent à des déclarations non conformes, c'est-à-dire avec un taux de réponse très important de 93,6%, et ainsi de suite. En plus, on peut trouver quelques nœuds sans réponse. Par exemple, le nœud numéro 33 compte 18882 nœuds et 0% réponse, c'est-à-dire on fait des contrôles pour rien, sans résultat. Juste une comparaison entre le tableau des gains pour les nœuds pour l'échantillon d'apprentissage et l'échantillon du test, on constate presque les taux de réponse pour les deux échantillons sont très proches, ce qui signifie que le modèle est bon. Bon, on peut aussi constater que le modèle est bon à partir de ce graphique, puisque la courbe ne suit pas la ligne diagonale, donc il y a des informations utiles dans ce modèle. Bon, une autre évaluation à travers ces deux tableaux, un tableau qui présente le risque de mal classement, on a un risque de 6,8%, le modèle classe correctement 93,2% de la totalité des lignes de déclaration. Bon, c'est très facile, les logiciels de data mining permettent facilement de traduire les nœuds en règles SQL qui sont faciles à implémenter dans le système informatique. Bon, en effet, par exemple, si on fait le choix du nœud numéro 91, le profil de risque est facilement déterminé. Donc, on sélectionne toutes les déclarations qui remplissent ces conditions. Le bureau est égal à 21 TO, le poids total article entre deux seuils, la valeur par kilo par déclaration entre ces deux seuils, la valeur totale de la déclaration inférieure ou égale à cette valeur, et cette liste des déclarants ou des brokers. Bon, en effet, la meilleure mesure de la performance du modèle n'est pas sa précision brute, mais son utilité et son efficacité à atteindre l'objectif principal pour lequel il a été créé, dans le but de résoudre un problème spécifique. Par exemple, on peut utiliser les arbres de décision pour la réduction des dimensions et pour lancer d'autres études paramétriques. Bon, juste une réflexion ou juste une autre évaluation. Si on fixe un taux de risque, dans notre cas, supérieur ou égal à 10%, le modèle sélectionne 25,25% des lignes des déclarations orientées vers le circuit rouge pour détecter 92%, presque 93% des lignes des déclarations non conformes. Si on réfléchit en termes de déclaration, l'échantillon d'apprentissage contient 26 750 déclarations, dont 1417 sont non conformes. En appliquant le modèle, on peut contrôler seulement 4974 pour détecter 1173 déclarations, c'est-à-dire on peut même contrôler moins que 20% pour détecter presque 82% ou plus 82,78% des déclarations non conformes. Bon, juste, la méthode Chase permet aussi d'expliquer des variables non binaires, c'est-à-dire on peut établir des profils de risque en fonction de la nature d'infraction, c'est-à-dire valeur ou espèce ou origine ou autre. Bon, en conclusion, l'arbre de décision est un outil statistique puissant pour la manipulation des données. La méthode Shade présente des avantages pour ses caractéristiques intéressantes dans le traitement d'un volume
important de données Big Data, mais également présente quelques limites. Face à un nombre trop important de classes, les arbres de décision ont tendance à devenir complexes et illisibles, et la recherche d'un arbre de décision optimal, c'est un problème très difficile. Et merci pour votre attention. Biz Bay Çermiti'ye bu kapsamlı sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki. Bir duyurumuz olacak bu arada. Değerli konuklar, bugün bilinen ilk gümrük mührünün bulunduğu Arslantepe'ye düzenlenecek tur için araçlarımız saat 13.15'te otelin önünden kaldırılacaktır. Bir de yarınki Nemrut gezisiyle ilgili hatırlatmayı yeniden yapmak istiyorum. Hava sıcaklığı yarın 1 veya 2 dereceye kadar düşebileceği için Nemrut gezisi, Nemrut Dağı esnasında bol miktarda rüzgar alacağımız yarınki Nemrut gezisi için korunaklı giysiler tercih etmenizi özellikle rica ediyorum. Teşekkürler. Evet, Mr. Çermiti için soruları alabiliriz salondan. Gerçekten arkadaşlarımız güzel sunum yaptılar ama herhalde evet, gözlerim iyi görmüyor. Uzatabilirsek mikrofonu. Je vous remercie. Je m'appelle Christian Banibé, je suis de la douane centrafricaine. Je remercie le collègue pour sa brillante présentation. Ma question est la suivante. En observant et en écoutant cette présentation, je crois qu'on a parlé des règles qui doivent être utilisées et l'analyse des risques. J'ai vu que dans cette présentation, il y a Sidonia et toute la base qui apparaît. Je voudrais savoir si ces règles-là, parce que c'est en SQL, peuvent être embarquées dans le système Sidonia++. Je vous remercie. Oui, bien sûr, toutes les règles peuvent être introduites dans les systèmes puisque généralement les systèmes d'information sont des systèmes basés sur des bases de données relationnelles. Donc c'est facile d'introduire des règles SQL dans les systèmes informatiques. C'est très facile même. Başka sorumuz, soru sormak isteyen. Herhalde bu kadar. Başta bir teknik arıza yaşamıştık. Pakistan'dan Salamat Ali Bey bir Skype üzerinden konuşma yapacaktı. Şimdi tekrar bir denenecek sanırım. Konuşmalarını yapmak üzere Salamat Ali Bey'e Skype üzerinden sözü vermek istiyorum. Okay, thank you. Good afternoon, please. Okay, I am going to present this titled Trading on Time. This is study of time cost on port of entry, inland container depots in Pakistan.